franchement, on dirait pas que je suis dans une baignoire ou je sais pas quoi, genre ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Salut à tous, c'est Ref, et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2. Aujourd'hui on va faire la petite aventure qui nous est proposée tout simplement sur Mercure, donc la fameuse transmission, je crois, c'est ça le nom. La fameuse interception, moi ici t'es pas très loin, ici t'es pas très loin, pas du tout. Mais bon, voilà, on se retrouve pour cette nouvelle mission, enfin cette aventure, parce que c'est pas une mission, hein. Mais bon, ouais, d'accord, on retourne dans le portail. Je dirais que les Vex réalisent un test sur une boucle continue afin d'établir un jeu de données référentielles. Mais dans quel but, je l'ignore. Ouais, mais de toute façon, c'est dans quel but on fait ça, en fait. Surtout. Dans quel but on continue à faire des missions sans que ça nous rapporte quoi que ce soit. Parce que le truc, c'est que depuis le début du DLC, j'ai pris que deux de lumière. C'est très important pour eux. Si vous arrivez à analyser ça d'où vous êtes, vous ne pouvez pas y mettre un terme? Avez-vous déjà essayé de contrôler une machine bloquée dans une boucle de rétroaction perpétuelle? L'interrupteur, c'est vous. Allez l'éteindre. D'accord, c'est moi l'interrupteur. Ok, bah c'est super. Mais bon, comment on le voit, le quoi s'appelle? On fait pas mal de missions, etc. Depuis le début du DLC, etc. Mais qui ramène toujours dans la four infinie. J'ai l'impression que c'est le seul truc du DLC au final. Hein? Ah, faut dire les choses comme elles sont. Hein. Je mâche pas les mots, hein, les gars. Mais j'ai l'impression que c'est le seul truc qu'il y a sur le DLC. Hein. Certes, si c'est pas le même environnement, enfin à chaque fois, genre ça change, etc. Mais t'as l'impression de venir toujours au même endroit. Comme je vous l'ai dit, pour le simple fait que le décor c'est similaire, tu vois. Enfin, pas dans la position géographique, mais dans la situation genre visuelle, t'as l'impression d'être toujours au même endroit, tu vois. Et c'est juste moi ce que je reproche au DLC là. Après, bon, j'ai pas encore fini, soi-disant. Enfin, je sais pas si j'ai vraiment fini à 100% le DLC ou quoi, tu vois. Donc, on va voir. Je sais pas, peut-être, qui sait. Ici, mais si c'est le cas, voilà, n'achetez pas le DLC. Hein. Et Siri qui se met à... Non, tais-toi, Siri, merci. Un jour, vous serez prêt, genre, vous allez entendre Siri qui va faire la vidéo. Ça va partir en couille, hein. Ça va partir en cacahuète, hein, quand ce sera comme ça. Ok. On va enquêter sur la simulation des cabales, mais bon. Quand même vraiment cette impression de faire un petit peu tout le temps la même chose. Et en fait, genre souvent la même chose, mais dans une limite de temps très courte. C'est pour ça que j'ai l'impression de refaire tout le temps la même chose, en fait. Genre que tu fasses la même chose, mais t'allais sur 30 missions, tu vois, dans l'idée. Genre une mission au début, une mission au milieu, une mission à la fin, tu vois. Et que tu refasses la même chose. T'es en mode, bon, c'est pas très très grave, tu vois. Comme le fait de comment ça s'appelle, de tout simplement faire le genre, j'avais parlé du pyramidion sur une des missions du DLC, tu vois. Genre ça, je pense que c'était la pire chose à faire, tu vois, pour la simple et bonne raison que certes ça avait un rapport avec DLC, tout ce que tu veux, etc. Certes, mais le problème c'est que bah vu qu'on a potentiellement spammé le fameux pyramidion parce que bah justement c'était une noire assez simple, hein, en soi. Je cache pas que c'est pas le bon choix. C'est un petit peu comme si on faisait la flèche inversée, tu vois. Alors, ce sont les deux nuits noires les plus souvent genre répétées, tu vois, parce que c'est les plus faciles en soi et celles qu'on a eu le plus souvent aussi. Oh, j'y pense en nuit noire. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. D'ailleurs, faudrait aussi que je fasse tout simplement l'événement et l'assaut de ce DLC, histoire de voir un petit peu ce qu'il y a de nouveau et ce que ça apporte, en fait. Est-ce que c'est genre une mission type hard, ou enfin un peu plus dur, ou c'est totalement autre chose? Qui serait bien évidemment souhaitable. Hein, que ça soit totalement autre chose. Parce que bon, si tu refais une mission un peu difficile, bon, voilà quoi.
Oui, d'accord. Ouh, heureusement que je réagis vite, hein. Hey, c'est un petit engramme illuminé. Par contre, c'était le traquenard, hein. Eh, hey, ils sont arrivés à 50 là soudainement, genre, salut, je vais t'exploser, bim. Ils m'ont tous mis un coup de mêlée, genre, ça m'a pas mis bien. J'ai cru que j'allais mourir. Mais non, ça va. Ça, heureusement que j'ai réagi avec un petit... Oh non, la cape, elle est... Un chasseur sans cape, c'est vraiment laid, hein. Enfin, tu sais, c'est un petit peu comme l'Arcanis sans sa robe. Un petit peu le même principe. Bon, on va éviter d'utiliser l'épée, là, mais... Attends, on va essayer de réactiver la cape. Ça veut pas, hein. Ça ne veut pas, hein. Les kamikazes, genre... Trop souvent, la chose qui fait le plus de dégâts en raid, en assaut, quoi. Parce que, tu sais, tu t'y attends... Enfin, tu t'y attends, certes, mais des fois, ils apparaissent, genre, au dernier moment, tu sais, dans ton visuel, et là, pouf, tu meurs. Ah, c'est très vite, hein. Malgré toutes les possibilités que leur offre la forêt infinie, pourquoi l'évêque se concentre-t-il tant d'efforts pour un seul cabal dans une unique simulation? Ça dépend forcément de l'importance du cabal en question. Ce qu'ils transportent pourrait être crucial pour leur plan final. Ok. Bon bah on va voir. Bon, cette histoire de simulation, etc., l'impression de toujours faire la même chose, etc., En fait, le seul moment où ça change plus ou moins, c'est quand tu sors... Ok, tu vois, là par exemple, on change plus ou moins de zone. Donc résultat, t'as l'impression de faire quelque chose de bien et de nouveau, tu vois. Genre là, on est peut-être sur Mercure, certes, hein, mais c'est nouveau. Ça fait plaisir. Ok, j'allais dire au début, genre, les murs veulent pas... Shit. Il essaie de prendre la fuite. Éliminons-le. Il est vraiment en train de fuir là. Mais... Wesh, Michel, reviens. Mais voyons ton âge. Mais what? C'est notre chance. J'irai de grandir, monsieur. Donc là, si je suis derrière, je prends pas de dégâts. Ouh. Ok. Oh que non, nous n'en avons pas fini avec toi. Monsieur, c'est ennuyant de vous courir après. Vous êtes pris pour quoi? Pour une star? Ça va, les Disney, c'est plus de votre âge, monsieur. Hein. À faire la princesse et tout, là. Ça suffit, voyons. Ah ben, le voilà qu'il est de retour. Hé, hey, oh, reviens. Je suis vraiment en train de courir après un cabal. Ce qui est en train de se passer. Non mais il s'enfuit encore. Mais il va pas s'enfuir pendant une éternité, voyons. Quand même très stylé les ATP, hein. On va pas se cacher.
Le flou est certain sur les pays. Ok, une petite cape. Voilà, reste sur moi, mais tue-moi presque, histoire que tu restes encore plus. Bon, évidemment, on me tue pas, hein. Éliminé. Technologique et biologique, tout comme les Vex. Tiens, dans tes grosses fesses. Enfoiré là. Il s'est pris pour une star. Ouais, j'ai dû le suivre jusqu'à une poupée, genre. Nice. Let's go, baby. Allez voir Enfant pour recevoir des récompenses de clan. Bah, super. Enfin, je pense que c'est autre chose, hein. Je pense que c'est jalon de clan ou je sais pas quoi. Terminer l'aventure, un bug dans le système. Ok, bah je pense que c'est... Ouais, je pense qu'il faut que je revienne plus ou moins sur Mercure ou je sais pas quoi dans l'idée. Hein, et après, on va lancer la prochaine mission et dans le prochain épisode, tout simplement. Voilà, voilà, c'est aussi simple que ça. Mais bon, c'est quand même... on a quand même suivi un cabas, genre le mec s'est pris pour une princesse. Ah. Ah. Ah ben mess. Bah, il n'y a pas de portail, hein. Bah c'est dommage hein. Bon ben, y a pas de portail. Donc je peux pas retourner. Enfin bref, c'est ici qu'on va cesser. J'espère que t'as apprécié cet épisode. Si c'est le cas, enfin cette vidéo sur des filles. Je sais même pas si ça fait partie du lecteur ou quoi. J'en sais rien, on verra. Sur ce, on se dit à très vite. Un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Partagez la vidéo, abonnez-vous, tout ça. Vous connaissez les bails. Et on se dit bah au prochain épisode tout simplement. Allez, à plus.